Bah, forcément, j'ai mal, parce que moi, j'avais des rêves comme tout être humain. Et j'ai peur aussi, parce que, comme j'ai dit, se faire rapatrier aux Comores, bah, c'est une chose qui va vraiment me faire mal, parce que je serai désorienté. On va pas dire que je connais personne, parce qu'il y a, y a ma mère, mais je connais pas la culture comorienne elle-même. Et je sais pas comment les gens y vivent, je sais pas comment parler, comment m'adresser aux gens, je connais personne. Peut-être je pourrais servir la France. Pour moi, c'est comme tout autre étranger. On risque l'expulsion. On risque bah, de ne pas vivre librement, déjà. Et il y a plusieurs barrières qui vont t'empêcher d'être heureux, d'avoir la belle vie. Et c'est ça, en fait. Bah, j'aimerais avoir une vie stable, réussir comme tout autre être humain, vivre librement, justement. Parce que c'est ça la liberté qui me dérange. Vivre librement, aller où je veux, quand je veux. On va dire, dans la délinquance, il n'y a pas que des Comoriens. Certes, ce sont des jeunes qui sont nés par des familles venant des Comores, mais forcément, en étant nés en France, ils ont la nationalité, ils sont français. Donc c'est un mélange. Et venir accuser directement les Comores, c'est ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. Et je suis d'accord parce qu'il y a aussi les images qui montrent qu'il y a des jeunes qui issus des pays voisins, des Comores, qui foutent la merde en fait. C'est pas que je suis sûr, mais les risques sont là. Il y a les policiers, il y a les contrôles, il y a tout ce qui se passe maintenant, l'opération Bouchoué, tout ça. Forcément, on se met prêt, on est prêt mentalement. Donc voilà, c'est pour ça que je conjugue comme ça, quand je serai. Peut-être un futur proche, futur lointain, je sais pas. La liberté pour moi, ça a été un truc que j'ai pas depuis longtemps. Ça a été un truc que j'ai pas depuis longtemps. Et du coup, m'adapter à cette nouvelle situation, bah, ça change pas parce que je ne circulais pas même avant. Avant, je circulais pas. Et jusqu'à maintenant, je reste, je circule pas, c'est tout. Je me donne pas cette liberté de circuler toute la journée. Bah, forcément, j'ai mal parce que moi, j'avais des rêves comme tout être humain. Et j'ai peur aussi parce que, comme j'ai dit, se faire rapatrier aux Comores, bah, c'est une chose qui va vraiment me faire mal parce que je serai désorienté. On va pas dire que je connais personne parce qu'il y a, y a ma mère, mais je connais pas la culture comorienne elle-même. Et je sais pas comment les gens y vivent, je sais pas comment parler, comment m'adresser aux gens, je connais personne. Je suis ce matin le mot qui vient. Je suis bien.